Chapitre 6. Les super-héros quittent le papier. Les super-héros naissent plus ou moins avec Superman en 1938. Je dis plus ou moins car certaines prémices de surhomme sont antérieures, telles le Nyctalope, super-héros français. Eh oui, donc il vaut dans le vrai. Hein. Vous connaissez tous l'histoire de Superman. Tu connais l'histoire de Superman? Non. Mais avez-vous remarqué le rapprochement que l'on pouvait faire avec Moïse? En effet, Kal-El, qui signifie voix de Dieu en hébreu, est envoyé bébé loin de sa planète pour être sauvé de la destruction de cette dernière. Et ensuite recueilli par des parents adoptifs, et il est différent et supérieur au milieu des autres hommes. Plus tard, on pourra aussi noter des similitudes entre Superman et Son Goku, ou aussi Ricky Starr, mais pour ce dernier, le clin d'œil est tout à fait volontaire, alors que le parallèle avec Son Goku ne se fera que plus tard avec les révélations de Dragon Ball Z. Parce qu'au début de Dragon Ball, on ne sait pas que Son Goku c'est un extraterrestre qui vient d'une autre planète, hein, on le saura que dans le Z. D'ailleurs, Toriyama ne le savait pas non plus parce qu'il l'a fait de façon empirique. Bref. Premier en comics, Superman sera aussi le premier en dessin animé. Et ce, dès les années 40, avec l'animation Superfluid des frères Fletcher, réalisée en rotoscopie. Ce procédé permet une animation très fluide, puisqu'elle consiste à filmer d'abord des acteurs en vrai, et ensuite réaliser les dessins par-dessus le film. Ce système est poussé à l'extrême dans le dessin animé du Seigneur des Anneaux de 1978. C'est d'ailleurs ce premier dessin animé de Superman qui fera voler le personnage. Dans le comics, il se contentait de faire des grands bonds. Le dessin animé de Superman est très facilement trouvable sur de multiples éditions DVD, même si certaines arborent une jaquette présentant le Superman des années 90. Du côté de la traduction française de ses aventures, il débute dans la revue Aventure dès mars 1939 sous le nom de Marc Hercule Moderne, puis le Surhomme, et enfin Jordi, du nom de Jordan, d'un des amis de l'éditeur, Ettore Carozzo. Donc tu vois, c'est souvent parce qu'ils ont un proche qui s'appelle machin que du coup ils appellent le truc machin. C'est un peu le délire, hein. Les débuts de l'aventure de Superman sont assez chaotiques. Outre son patronyme, ses planches sont, au gré des éditeurs, soit retournées et maquillées pour devenir les aventures d'un nouveau héros, François l'Imbattable, soit devenir des aventures de son compatriote Blue Beetle, curieusement appelé Fantôme d'Acier en VF, et de plus coloré en rouge, comme le sera aussi, à certaines occasions, Batman. Alors donc, en fait, quand c'est François l'Imbattable, comme la censure française voulait pas que les enfants... passe par la fenêtre pour se prendre pour Superman, parce qu'ils sont recons, et qu'il fallait pas que les héros aient trop de pouvoir, ils redessinaient les planches en lui mettant des réacteurs dans le dos. On dit, ah non, ils volent pas, c'est juste qu'on lui a mis des réacteurs, c'est pas un pouvoir. C'est complètement con. Voilà. Nanana. La couleur rouge étant moins difficile à créer et à imprimer, tout s'explique. Soit il se voit affublé de réacteurs, afin que ses pouvoirs paraissent moins extraordinaires. Cela paraît aberrant, mais tel fut pourtant le cas. Dans ce registre, on pourrait aussi parler des cases de Flash, où le visage du héros était redessiné en France, car un héros ne doit pas cacher son visage. Allez savoir quel est le crétin qui avait décrété ça. D'ailleurs, Batman sera aussi victime de la politique à visage découvert, avec en plus retouches grossières du dessin pour la première apparition de Robin en France. Dans cet épisode, publié en octobre 1940, Batman se nomme le Justicier. Au préalable, il a d'abord été appelé Zigomar, tout en étant le troisième justicier à apparaître sous ce nom dans la revue Hurrah. Ouais, donc parce que un super-héros ne doit pas être masqué, sinon il cache quelque chose et c'est pas bien. Donc du coup, comme Flash, il a un masque qui couvre son visage, ils ont redessiné son visage. Donc du coup, c'est encore plus con, parce que quand il est au bar avec sa petite amie en civil qui ne sait pas qu'il est Flash, il se pose la question, putain, j'espère qu'elle va pas savoir que je suis Flash. Bah vu qu'on voit ta tête, si, elle doit le savoir. Hein. Oui. Donc c'est complètement con. Ah bah bon. Les super-héros sont les héritiers des pulps, des romans de gare à faible coût imprimés sur du mauvais papier. L'un des héros de pulp le plus intéressant pour nous est Doc Savage, surnommé l'homme de bronze, se retirant dans sa forteresse de solitude. Et ce ne sont là que quelques détails qui nous indiquent où les auteurs Superman ont pioché certaines idées. Parce que Superman aussi a sa forteresse de solitude, et Superman s'appelle l'homme d'acier. Donc, on voit tout. L'idée de Batman, elle, sera à chercher du côté de The Shadow, misérablement adapté au cinéma. Doc Savage bénéficie lui aussi d'une piètre adaptation cinématographique que la version française a jugé bon d'empirer. La voix du héros étant tenue par Georges Aminel, la voix de Dark Vador, mais surtout celle de Gros Minet, dans Titi, avec son zozotement qu'il a jugé bon de reproduire ici pour un résultat fort discutable. Donc du coup, dans Doc Savage en français, il parle avec un zozotement. Enfin, qu'il n'a pas de zozoté. Là, c'est complètement con. Batman apparaît en 1939, la BD sera aussi rebaptisée et recolorisée en rouge, comme souligné plus haut, pour désormais s'appeler Elle Rouge. Logique quand tu nous tiens.
Il aura droit à de nombreuses séries animées, dont le feuilleton Super Friends, une version un peu plus enfantine de la Ligue des Justiciers, qui par ailleurs sera doublée en français avec la même désinvolture que Ken le Survivant, où Batman passe pour un neuneu à peine plus intelligent que dans la série live des années 60. Il apparaîtra même dans de vieux épisodes de Scooby-Doo. Tu vois, par exemple, à un moment, il y a Robin qui dit « Oh, Batman, nous sommes cernés !» Ah bah, pourtant, j'ai bien dormi cette nuit. La série live de 66 sera d'ailleurs proposée en France en deux temps, ce qui explique le changement de voix. La série connaîtra surtout le succès avec sa diffusion sur Canal+, dans les années 80, puis sur France 3. À la même Bat-Heure, sur le même Bat-Chaîne. Donc en fait, ça finissait en cliffhanger chaque épisode et il te disait ça. Rendez-vous demain à la même Bat-Heure, même Bat-Chaîne, pour savoir la suite. Ah oui. Parce qu'il était toujours dans une situation grave, on ne savait pas comment il allait s'en sortir. Et c'est également via Canal+, que nous découvrirons donc les Super Friends, sous l'appellation Le Plan de Super. Salut Robin, c'est super, il parle comme ça, Batman, tu vas être complètement con. J'exagère à peine. Vite Robin, nous devons sauver Aquaman de la noyade. Bref, le salut viendra, comme chacun sait, de la série de Batman Animated Series en 92, qui ouvrira la voie au dessin animé moderne de DC Comics. S'en suivront les Batman La Relève ou Batman 2000, lors de sa première diffusion sur Canal+. The Batman, L'Alliance des Héros, Prenez Garde au Batman, et aussi plein de films d'animation dont God at Night, composé de divers sketchs par différents réalisateurs japonais dans le style de Mani Mani, Robo Carnival, Animatrix ou Memories. The Batman, la série animée de 2004, est à redécouvrir avec une sympathique évolution. Bruce Wayne commence solitaire, puis est rejoint par Batgirl, Robin et au final la Ligue des Justiciers. L'un de ses amis d'enfance devient Clayface et Harley Quinn réapparaîtra dans un épisode écrit par son créateur, Paul Dini. Parce que, sachant que le personnage d'Harley Quinn a été créé pour le dessin animé de Batman de 92, elle n'existait pas dans les comics. D'accord. Après, elle y a été intégrée. Notons aussi un long métrage de The Batman contre Dracula. Mm-hmm. Peut-être que certains d'entre vous ont souvent entendu l'expression « Shazam !» au détour d'un dialogue, comme dans le premier film de Spider-Man par exemple. Il s'agit en fait de Captain Marvel, le premier concurrent de Superman. D'ailleurs, son comic se vendait tellement bien qu'il faisait de l'ombre à celui de Superman. DC fit alors un procès à cause de trop de ressemblances. Le concept est novateur puisque c'est un enfant, Billy Batson, qui se transforme en super-héros à la Superman en criant « Shazam !» qui est en fait l'acronyme Shazam pour Salomon, Hercule, Atlas, Zeus, Achille et Mercure. Il était alors investi des pouvoirs et des qualités de ses personnages mythologiques. Captain Marvel fut aussi le premier super-héros à avoir droit à son serial en 1941, le serial étant l'ancêtre des séries télé. Il s'agissait d'épisodes à suivre, diffusés en première partie des films dans les cinémas. C'est par ce biais que furent inventés les cliffhangers, soit les fins en suspense, qui obligent à vouloir voir la suite. C'est pour ça que tu veux aller la semaine d'après voir un autre film pour avoir la suite de l'épisode. Oui, ouais, en plein milieu, et en plus en plein milieu à un moment où il est en danger. Ah oui. Captain Marvel créa aussi le principe de faire des dérivés aux personnages avec un pendant plus jeune, Captain Marvel Jr., Marie Marvel, pour la version féminine, même un oncle rondouillard et un lapin de cartoon faisaient partie de la famille. Et bien sûr, l'ennemi juré avec Black Adam, curieusement rebaptisé Macadam dans la version française du dessin animé de Filmation. Pourquoi j'ai marqué un lapin ? Parce que c'est un tigre en fait. Mais il y a peut-être bien un lapin aussi. Possible. Shazam a aussi fait l'objet d'une courte série télé inédite chez nous. Plus tard, l'éditeur Fawcett sera racheté par DC et Shazam fait désormais partie de la Ligue des Justiciers. Du côté de chez Marvel, on créa bien un Captain Marvel qui est un extraterrestre et on bloqua ainsi le nom. C'est pour cela que désormais, on appelle le premier Captain Marvel Shazam. Parce qu'en fait, quand ils ont appelé donc, Captain Marvel, parce que Shazam, c'était juste son nom pour se transformer. Il s'appelait Captain Marvel. Mais Fawcett n'a pas déposé le nom de Captain Marvel. Donc du coup, Marvel, quand ils ont fait leur truc, ils ont dit bah, « On est Marvel, c'est normal qu'on ait un Captain Marvel ». Donc, ils ont fait un Captain Marvel et ils ont, eux, déposé le nom. Ce qui fait que le premier Captain Marvel, il ne peut plus s'appeler Captain Marvel parce que Marvel a posé les droits pour Captain Marvel. Et en plus, à chaque fois qu'il changeait de personnage, puisque Captain Marvel de Marvel, il est mort à un moment, donc il baptisait d'autres personnages Captain Marvel pour garder le nom. Parce que si tu n'utilises pas le nom pendant un certain temps, tu perds les droits. Ah ouais. D'ailleurs, cela explique les changements de nom de personnages chez Marvel, avant tout pour garder les droits. Ainsi, plusieurs personnages portèrent le nom de Captain Marvel chez l'éditeur éponyme, le premier étant mort dans le premier graphic novel de la Maison des Idées, sobriquet de Marvel. Par la suite, c'est une Black, depuis rebaptisée Photon, qui prit le nom, et c'est actuellement l'ancienne Miss Marvel, pendant féminin là aussi, qui porte désormais ce patronyme. Et donc c'est elle qu'on a vu le film Captain Marvel, c'est l'ancienne Miss Marvel. On peut noter un parallèle entre les deux Captain Marvel originels. Si Billy Batson laisse place à Captain Marvel en criant Shazam, à une certaine période, il y avait une permutation entre Rick Jones, le gamin que Bruce Banner avait sauvé en subissant l'explosion des rayons gamma, c'est lui, et Marvel, qui était prisonnier de la zone négative.
Captain Marvel, donc, puisque c'est un extraterrestre de la race Kree. Au début de ses aventures, c'est un espion qui est chargé d'infiltrer la Terre. Plus tard, il acquiert une conscience cosmique et devient un protecteur de la Terre avant de mourir d'un cancer. Une mort qui perdura jusqu'à nos jours, car c'est quasiment le seul super-héros décédé que Marvel n'osera jamais ressusciter. Et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, sa mort est culte, et ensuite, sa vie, elle, n'était pas un grand succès. Sa série a souvent été interrompue, reprise sous un autre angle, sans jamais faire des étincelles. On tentera de lui donner un fils pour reprendre le flambeau, mais ce dernier s'avéra bien pâle. On lui découvrira une autre progéniture, un peu plus intéressante, dans Young Avengers, un métis Kree-Skrull, ces derniers étant une race métamorphe, ennemi héréditaire des Kree. Une résurrection de Marvel fut pourtant initiée au détour du crossover Civil War, mais il ne s'agissait en fait que d'un Skrull qui pensait être Marvel. Donc les Skrulls, c'est des extraterrestres qui prennent l'apparence de ce qu'ils veulent. Okay. Donc il y en a un qui s'est fait passer pour Captain Marvel. Okay. Pour revenir à Shazam, désormais, Billy n'est plus remplacé par un personnage adulte différent, c'est bel et bien lui qui se transforme en héros adulte, et cela change beaucoup de choses, car c'est un enfant qui doit se faire passer pour un adulte. Donc au début de l'histoire, en fait, quand il créait Shazam, c'était Shazam qui prenait sa place. Tandis que maintenant, quand il crée Shazam, c'est lui qui devient adulte. Donc, ce qui fait que tu te retrouves avec un adulte, mais qui résonne comme un enfant. Donc, comme la plupart des justiciers savent pas que c'est un enfant normalement, et ben, du coup, ils sont étonnés quand il a des réactions d'enfant. Tu vois, par exemple, oh putain, c'est trop bien cette glace et tout. Voilà. Mmh. Quoi? What? Ouais, ouais. C'est vrai que c'est vachement bien Shazam. Tu parles de Shazam qui est sorti récemment là? Oui. Mais t'as besoin du corps? Mais Shazam, ça existe depuis 1940, ma copine. Ah oui, puis il en a sorti il y a pas longtemps. C'est ça. C'est une émission vachement récente. Ah oui. Mon livre est de 2016, mais je fais des mises à jour quand j'apprends des trucs. Okay. Du côté de chez Marvel, les super-héros, c'est d'abord Human Torch, Submariner et Captain America en 39-40. À l'époque, la boîte s'appelait Tim Lee. C'est d'ailleurs déjà à cette époque que le concept d'univers partagé naquit. La petite amie de Namor s'avérant travailler au même poste de police que l'alter ego de la Torche. La rencontre des deux personnages s'avéra inévitable. Marvel a débuté en 1961 avec les 4 Fantastiques, qui furent adaptés en animation par Hanna-Barbera, suite à des dessins animés pas très animés de Captain America, Thor, Iron Man et Submariner, œuvre des studios Country Lawrence, ces derniers reprenant les pages des comics en ne faisant bouger que certains éléments. Très rudimentaires, ces curiosités sont sorties en DVD en France dans les années 2000, avec un doublage québécois comme pour le Spider-Man de 66 qui fit les beaux jours de TF1 dans les années 80. Seuls 2 épisodes bénéficient d'un doublage français où l'on crut bon de donner des voix différentes à Peter Parker et à Spider-Man, en l'occurrence les voix de Gérard Hernandez et de Roger Carrel. Suite à la première saison, fidèle aux comics, Ralph Bakshi s'occupera des 2 autres saisons. Il est surtout connu via son adaptation du Seigneur des Anneaux, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est d'ailleurs dans cette seconde saison que seront enfin contées les origines de Spider-Man. Certains vilains seront empruntés à une autre production de Bakshi, Rocket Robin Hood, Robin des Bois dans le futur. On remplace juste Robin par Speedy et le tour est joué. Les 4 Fantastiques eurent donc ce premier dessin animé avec une chanson de Noam Cagniel chez nous, puis un autre où la Torche humaine était remplacée par Herbie le robot. Non par crainte que les enfants veuillent l'imiter, mais parce que ce dernier était réservé pour un autre animé qui ne se fera pas. Ouais, donc quand j'ai vu qu'il y avait un autre dessin animé où ils avaient remplacé la Torche humaine par un robot, moi je pensais qu'ils avaient peur que les gamins se foutent le feu. Et en fait non, c'est juste parce qu'ils avaient donné les droits à un autre dessin animé juste sur la Torche et qui s'est pas fait. D'accord. Comme ils ont fait un autre dessin animé sur la chose aussi, qui lui s'est fait malheureusement. Mais en fait, c'était un gamin qui, avec un anneau, se transformait en la chose. Donc rien à voir avec ce qu'il est dans les 4 Fantastiques. En revanche, un dessin animé de la chose en solo sera produit, bien qu'il ne s'agisse nullement de Ben Grimm, mais d'un enfant qui se transforme en la chose, comme peut le faire Billy Batson dans Shazam. Plus tard, les Fantastiques reviendront dans les années 90, puis avec le dessin animé français du studio Moonscoop. Du côté de Spider-Man, ce fut une nouvelle série dans les années 80 avec l'apparition de Black Cat, suivie de Spider-Man and the Amazing Friend, toutes deux inédites en France, jusqu'à présent parce que maintenant ils ont enfin doublé une des séries sur Netflix. Où ils faisaient équipe avec Iceberg et Firestar, cette dernière créée pour le dessin animé, apparaîtra par la suite dans les comics. Il y aura bien sûr le Spider-Man de 94, puis Spider-Man Unlimited, et le Spider-Man en synthèse, qui faisait suite au film. Ces deux séries se termineront en cliffhanger, dont nous ne connaîtrons jamais la suite. Puis Spectacular Spider-Man et Ultimate Spider-Man. Et puis là, il y a encore d'autres séries qui sont sorties depuis. Hulk aussi connu un dessin animé peu animé dans les années 60, puis un très oubliable en 95, avant d'être aujourd'hui dans les Agents du Smash, où il fait équipe avec d'autres irradiés de rayon gamma, donc Rick Jones, qui fut le sidekick de Captain America et de Captain Marvel, et le Hulk Rouge, qui n'est autre que le général militaire qu'il avait traqué durant des années. Pour la petite histoire, Hulk est le seul de la première vague de super-héros Marvel qui n'a pas franchement marché tout de suite.
En effet, sa revue s'est interrompue au bout de seulement 6 numéros et dut jouer les guests dans les autres titres avant d'avoir à nouveau sa revue. Autre anecdote, dans son premier numéro, Hulk était gris et ses transformations étaient contrôlées par le coucher et le lever du soleil. Fixit, à une période où Hulk était videur et un peu plus intelligent. Ces dernières années, on a vu apparaître Hulk rouge, mais ce n'est pas Bruce Banner comme évoqué plus haut. En parlant de ces héros, il faut savoir que la revue de leur apparition en France, Fantasque, fut arrêtée au bout de 7 numéros par décision d'un comité de censure qui, pendant des années, poussa l'éditeur Lug à censurer en amont les comics comme les animés japonais au Club d'eau. Le seront plus tard. Donc comics, manga, même combat. Dès que ce n'est pas français, l'œuvre est rejetée par les bien-pensants. Le parallèle avec le Club d'eau se fait aussi au niveau des coupes pour gagner soit du temps pour la pub, pour le Club d'eau, soit de la place pour les 10% de contenu d'actualité dans les revues Lug qui permettaient d'avoir des tarifs préférentiels sur divers taxes d'édition. Les Fantastiques ont en effet vu deux de leurs épisodes édités avant le premier numéro de Fantasque, mais c'était des cas particuliers, au sein d'un livre traitant des comics et dans un journal. D'ailleurs, le deuxième épisode ne fut publié que dans le fameux journal et nullement dans Fantasque. Les X-Men ne furent pas un grand succès à leur début. Il faudra attendre le renouveau de l'équipe en 75 pour qu'elles aient accès à l'animation, d'abord en guest dans les animés de Spider-Man, puis un pilote superbe pour enfin arriver à la série des années 90. Ensuite, la série X-Men Evolution sera assez moyenne. Wolverine et les X-Men sera, elle, d'excellente facture, mais s'arrêta au bout de deux saisons, ne concrétisant pas l'adaptation de l'ère d'Apocalypse, pourtant suggérée à la fin du dernier épisode. Nous noterons que les 8 premiers épisodes avaient d'abord bénéficié d'un doublage catastrophique, réalisé aux US par des Américains parlant français, mais ne sachant pas jouer, avant que l'ensemble des épisodes soient doublés en Belgique avec un meilleur résultat. On reconnaîtra la voix de Sacha dans Pokémon, Aurélien Ringelheim, sur le personnage de Diablo. Les Avengers firent leur début dans l'animation dans la série non animée de Captain America dans les années 60. Les années 90 leur offrirent une courte tentative de 13 épisodes se terminant en cliffhanger, où les têtes d'affiche Captain America, Thor et Iron Man sont absents, et où tous les Avengers sont équipés d'armures de combat. Récemment, Avengers Mighty Heroes et Avengers Assemble, qui se veulent plus proches des films, ont pris le relais. Lug était l'éditeur prioritaire de Marvel, mais toutes les séries dont Lug ne voulait pas se retrouvèrent chez le concurrent, Aredit, qui publia les bandes dans une anarchie complète, tantôt en couleur, tantôt en noir et blanc et petit format, ce qui entraîna un remontage des planches. Cela est particulièrement néfaste sur certains dessins de Nick Fury, réalisés par Jim Steranko, où les planches originelles doivent absolument être retranscrites telles quelles par les effets qu'elles proposent. Parce que tu vois, donc Jim Steranko, qui en plus n'était pas que auteur de comics, et il est aussi magicien. Ouais. Donc il fait un peu de préhésitation. Donc par exemple, il a fait une grande planche où toutes les cases sont comme un espèce de labyrinthe interconnecté, tu vois. Et comme tu le découpes en planche pour un petit format, du coup c'est plus sur la même planche. Donc ça casse toute la dynamique de la planche. Héros, tel Doctor Strange, Iron Man, Ultimate Avengers, Planète Hulk et diverses, Batman et Superman. Il n'y a qu'en animation que Marvel avait du retard sur DC en termes de série live. Seul Hulk avait réussi à tenir la distance. Ah non, il n'y a pas qu'en animation, pardon. Durant 5 saisons et 3 téléfilms, au sein desquels nous pûmes voir des versions plutôt risibles de Thor et de Daredevil. Spider-Man ne t'a qu'une poignée d'épisodes, un montage d'épisodes fut proposé au cinéma en France, les autres sont inédits, et le Doctor Strange ne dépassa pas le pilote, sorti récemment en France en DVD sous-titré. Tandis que DC cartonnait avec les aventures de Superman avec George Reeves, Wonder Woman avec Linda Carter, bien que la série change à l'époque, et de canal de diffusion entre 2 saisons. Shazam, Isis, puis plus tard Superboy avec un changement du rôle-titre entre 2 saisons, Flash et bien sûr Lois et Clark ou encore Smallville. Dernièrement, Arrow et Flash semblent être les premiers d'une longue liste de séries à succès qui feront oublier l'échec de Bird of Prey, les aventures d'héroïne dans le siège de Batman. Supergirl est un régal pour les fans de DC Universe classique, Red Tornado, Martian Manhunter ou encore la créature Black Mercy d'un célèbre épisode de Superman écrit par Alan Moore s'invite joyeusement dans la série, ainsi que le Flash précédemment cité. Alors le fameux Black Mercy, c'est une espèce de plante qu'on te met sur le corps et qui te bouffe en gros, mais pendant ce temps elle te fait rêver. Donc toi tu rêves à un monde idéal pendant que tu te fais bouffer la gueule par la plante. Ouais. Ok. Du côté de Marvel, après avoir tenté l'indigeste Mutant X, Agent of S.H.I.E.L.D. commence doucement avant Agent Carter et Daredevil de la chaîne Netflix ne transforme l'essai. Il faut dire que Marvel avait à son actif plusieurs nanars, comme des séries de Captain America, des téléfilms de Nick Fury et des films fauchés comme Punisher et Dolph Lundgren. Ils ont enfin connu le succès d'abord avec Blade, puis X-Men et Spider-Man avant de voler leurs propres ailes jusqu'à réaliser le carton d'Avengers,
qui n'est autre que le troisième plus gros succès cinéma de tous les temps. Enfin, c'était quand j'ai écrit le bouquin, parce que ça a un peu bousculé. Là. Mais en revanche, sur le 4 Fantastiques de 94, réalisé par Roger Corman, qui était tellement mauvais que Marvel a interdit l'exploitation. Plus d'infos dans le documentaire Doom the Untold Story of the Rogers Commons Fantastic Four. Donc uniquement en VO, donc je l'ai pas vu, hein, mais bon, là. Uniquement en VO. Un téléfilm de puissance 4, Power Pack, a été tourné, mais jamais proposé au public. Néanmoins, au chapitre des casseroles, DC traîne aussi son lot avec un pitoyable pilote de la Ligue du Justicier, un certain film de Catwoman de sinistre mémoire, Tarpitoff, à côté desquels nous trouvons des films inégaux tant avec Superman que Batman. En effet, Superman Returns ne se décidant pas à trancher entre remake et suite du film de Richard Donner, il échoue à conquérir les foules. En parallèle, de grands films de Marvel Studios s'articulant autour des films Avengers sont réalisés plusieurs courts-métrages, dits « one-shot », pour développer certains personnages secondaires comme l'agent Coulson, l'agent Carter et l'acteur qui se faisait passer pour le mandarin. Alors là, en fait, c'est que dans Iron Man 3, on devait avoir comme ennemi le mandarin, qui est un asiatique qui a des bagues, qui a 10 bagues et chacune des bagues a un pouvoir. Et en fait, au lieu d'avoir ce mandarin-là, on a eu dans le film un gars qui se faisait passer pour le mandarin, mais en fait, qui était juste un vulgaire acteur de merde. D'accord. Ce qui fait que quand nous, on n'a pas eu notre mandarin, ça nous a un peu fait chier. Donc du coup, Marvel a rétro-pédalé et a dit « Non, non, mais en fait, le gars que vous avez vu dans le film, c'était pas le mandarin. C'était un gars qui ressemble au mandarin, mais le vrai mandarin, en fait, il est en taule pendant ce temps-là et puis il va pas apprécier que quelqu'un soit fait passer pour lui. » Donc ils ont fait un petit court-métrage pour nous l'expliquer. Okay. Les Tortues Ninja sont à la base un comic book underground qui se voulait aussi une parodie de Daredevil. Le clan des foot, le pied, faisant écho au clan de la main hand. À la base, les tortues sont violentes et portent toutes le même bandeau. À leur début, la BD en noir et blanc, c'est le seul dessin animé qui instaura les bandeaux de couleurs différentes pour les différencier. Il faut savoir que le dessin animé des années 80-90, qui fait référence, est très éloigné du matériau d'origine. April n'y est d'ailleurs pas journaliste, mais assistant du docteur Stockman. Et Splinter est bien l'animal de compagnie de son maître, comme dans le film des années 90, et non le maître transformé en rat. Bien que globalement décrié, et à tort, jugé moins bien par les fans, les séries 2002 et la récente Nickelodeon sont bien supérieures à la première en termes d'évolution et de suivi, et aussi de fidélité. Par contre, la toute dernière, Rise of the Turtle, qui vient de sortir, c'est une grosse merde! Aussi bien graphique que scénaristique. Pour vous expliquer, Splinter passe ses journées affalées devant la télé. Truc qu'il ferait jamais en vrai, hein, parce que Splinter c'est un maître samouraï qui est zen et tout, et qui apprend aux tortues à s'entraîner, donc il regarde pas la télé du tout déjà, et en plus il va encore moins rester affalé dans le canapé, c'est pas du tout le genre. Hein. Entre autres choses, hein, donc je vous déconseille fortement cette série, elle a chier. La première série proposait d'abord 5 épisodes réalisés pour le... D'ailleurs, le film d'animation Turtle Forever, où se rencontrent les tortues des années 80 et celles des années 2000, est tout à fait représentatif de ce que j'avance. Il est très dommage qu'il ne soit pas doublé en français, mais il est sous-titré quand même. La première série propose d'abord 5 épisodes réalisés pour le marché de la vidéo, afin d'intéresser les sponsors. Beaucoup d'éléments de ces épisodes pilotes seront oubliés par la suite, au terme des 2 premières saisons de la série. Compte 18 épisodes, aussi au rythme de production sera boosté afin d'atteindre le nombre de 65 épisodes nécessaires pour la rediffusion de la série en syndication sur les chaînes locales américaines. La troisième saison sera donc réalisée par plusieurs studios et diffusée quotidiennement. Ils avaient un nouvel épisode tous les jours. Okay. Alors, du coup, ils faisaient vite et mal. C'est pourri. Ah ouais, c'est dépêché, ouais. Mais bon. Il y en a même qui ont été réalisés en France. Ah, oui. Ce qui permet à la série de repasser comme en entrant dans les quotas français, du coup. Ouais, Malgré le nombre élevé d'épisodes, plusieurs personnages réalisés en jouet ne feront qu'une ou deux apparitions sur les presque 200 épisodes. Le mot Kawabunga, qui est le cri de guerre des tortues, n'est pas une création des tortues. Il fut utilisé pour la première fois dans le show live Oddy Doody Show en 58 pour simuler un mot indien. On l'entend également dans la bouche du Joker dans un épisode de la série Batman des années 60 ou encore dans une bulle de la BD Snoopy. Le héros de comics Marvel Dracula fera l'objet d'un téléfilm d'animation japonais qui arrivera chez nous via les VHS édités par Jacques Canestrier. Nous noterons une composition musicale de Seiji Okoyama qui œuvra par la suite sur Saint Seiya. D'autres héros peuplent la télévision sans forcément avoir une source BD. Steve Austin, l'homme qui valait 3 milliards, est lui issu d'un roman, Cyborg, de Martin Kaidin. D'abord développé en téléfilm, qui lorne plus sur James Bond qu'autre chose, le personnage est recentré avec le début de la série de cet astronaute partiellement mécanisé après son accident, pouvant désormais courir plus vite, avoir un bras plus fort et un œil plus performant. Le voici devenu un peu un super-héros, et comme dans les comics, il aura droit à son spin-off, soit une série dérivée, avec Super Jamie. Les 3 téléfilms Réunion seront tournés plus tard, pour enfin permettre aux 2 héros de se marier.
Jamie étant amoureuse de Steve, mais elle avait perdu la mémoire durant de longues années. Notons aussi qu'elle mourra au terme de l'épisode où elle apparaissait et que c'est le plébiscite des téléspectateurs qui la ressuscita, lui permettant de devenir l'héroïne de sa propre série, dans laquelle Steve Austin fera des apparitions. Super Jamie fera l'objet d'un remake vite avorté en raison de la grève des scénaristes dans les années 2000. Tout comme pas mal de séries américaines, L'Homme qui va être millionnaire ne fut que partiellement doublé en français. À l'époque, est diffusé quasi intégralement que par le biais de la 5, qui avait comblé les trous avec des épisodes doublés au Québec, mais sans accent. Il en fut de même pour l'incroyable Hulk. Le choix des épisodes doublés en français ne semble répondre à aucune logique. Les meilleurs épisodes, dont ceux qui introduisent Jamie, n'en font pas partie par exemple. Tout comme les deux premiers avec les hommes-robots, en revanche, nous avons eu le troisième. Ainsi que le retour de la fille télépathe, alors que nous n'avons pas eu l'épisode de son introduction. Nous avons ceux avec le deuxième homme bionique, et certains avec un Bigfoot. La série comporte souvent une suite à un épisode antérieur. Malgré tout, certains épisodes ne bénéficient pas toujours de la version française, dont fait étrange les épisodes pilotes, The Six Billion Dollar Man et Bionic Woman, leur titre VO, ainsi que certains épisodes de la saison 4. Donc on n'a pas eu les tout premiers épisodes de ces séries. Alors c'est dans ces épisodes-là qu'il y a l'accident et qu'ils sont bionisés. Alors quand même, dans le générique, ça t'explique toujours. Il y a toujours le générique pour t'expliquer que c'est ça, qu'il a été remachiné. Mais on pouvait le voir, ça. Il y a un épisode où ça se passe. Il n'a pas diffusé. Ils l'ont pas doublé. Ah. Donc on peut le voir qu'en VO sous-titré, là. Okay. Il y a aussi un épisode introduisant un héros avec un cerveau avec des performances décuplées, sûrement en vue d'un éventuel spin-off. Qu'est-ce qu'un pilote ? C'est tout simplement le premier épisode qui compte les origines du héros et qui sert de test pour les chaînes. Ce n'est qu'avec l'approbation de cette dernière que la série est signée ou non. Mais il y a quelques exceptions, comme Star Trek. Star Trek, la série SF culte, a eu un parcours chaotique. D'abord, il y eut un pilote, The Cage, refusé par la chaîne. Et malgré tout, cette dernière demanda ferrarissime que l'on fasse un second pilote qui permit cette fois à la série d'être lancée. Néanmoins, au bout de 3 saisons, les audiences furent jugées insuffisantes, bien qu'elles soient forgées à un noyau de fans fidèles qui avait déjà permis la survie de la série pendant 3 ans. Campagne de lettres de soutien à l'appui. Par la suite, la série acquit le statut de culte lors de ses rediffusions, ce qui avec le temps entraîna la production de films, de cinéma et de nombreuses autres séries. Star Trek Animated Series, La Nouvelle Génération, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise... Et maintenant Discovery et Picard. Sert pour voir la nouvelle génération, d'abord via quelques VHS en québécois, puis quelques épisodes avec une première VF dans des fascicules vendus en kiosque, avant d'avoir une nouvelle VF intégrale sur Canal Jimmy. Voilà pourquoi Star Trek, culte aux US, n'est apprécié que de quelques connaisseurs en France. Ça a été très mal diffusé et en plus en retard, donc voilà. Cosmos 1999 sera aussi diffusé en 2 temps. D'abord la saison 1, fin 70, puis la saison 2, encore une fois, grâce à la 5, fin 80. Là aussi avec un doublage québécois. Un des épisodes de la saison 1, jugé trop violent, sera absent de la première diffusion et proposé dans le cadre de l'émission Temps X. Notant que le pistolet laser des Alphans sera l'un des gadgets de Pif Super Gadget, mais sans qu'il soit fait mention de Cosmos 1999. D'ailleurs, je cherche ce truc-là, si quelqu'un l'a, merci. Dans le même registre, le personnage de Robin des Étoiles, de Muscleman, qui grossit quand on le mettait dans l'eau, sera aussi un super gadget de Pif, mais à l'époque, nous ne connaissions pas la série. D'autres personnages seront aussi vendus en France, mélangés avec une autre collection sous le nom des Cosmix. Cosmos 1999 compte les aventures de terriens travaillant sur une base lunaire, jusqu'au jour où une explosion de déchets nucléaires, entreposée sur la face cachée de la Lune, propulse ces dernières très loin de la Terre. Nos héros doivent alors trouver une nouvelle planète pour s'y installer, n'ayant aucun moyen de rejoindre la Terre. Le contenu de l'histoire change radicalement entre les deux saisons du show. Les modifications furent faites dans l'espoir de mieux correspondre au goût supposé du public américain pour cette série britannique initiée par Gary Anderson, qui avait préalablement produit de nombreux shows à base de marionnettes, comme les Thunderbirds, les Sentinelles de l'air. Cosmos 1999 résultait du projet avorté de faire une saison 2 à la série UFO Alert dans l'espace, dont l'un des épisodes de la première saison mettait en exergue une station lunaire. Certains épisodes de Cosmos 1999 seront montés par 2 pour en faire des films. 2 courts-métrages tournés bien des années après nous apprendront le devenir du personnage de Victor Bergman, absent de la saison 2, et celui des Alphans à la fin de la série, aucune conclusion n'ayant été tournée à l'époque. Le court-métrage Message from Moon Base Alpha est présent en bonus sur les DVD, mais le retour de Victor Bergman n'est visible que sur le net. Galactica fut adapté en BD dans Télé Junior. Cette série coûteuse avait vu plusieurs de ses épisodes proposés en France au cinéma dans 2 films, avec de plus un effet spécial qui donnait l'impression aux spectateurs que leur siège vibrait. La suite, Galactica 80, est à oublier. À l'exception du dernier épisode, le retour de Starbuck, seul épisode à sauver du naufrage artistique qu'elle représente.
Retranscrire une bande dessinée ou un jeu vidéo en film live avec des acteurs est une entreprise qui s'est avérée plus souvent désastreuse que couronnée de succès. Faire la liste des films ratés serait trop fastidieux, mais je me fais un devoir de vous mettre en garde contre ceux qu'il ne faut absolument pas voir, pour ainsi vous épargner une perte de temps, voire d'argent. Le palmarès des pires adaptations de comics ou jeux vidéo de tous les temps sera donc composé, de mon point de vue, de Catwoman, Dead or Alive, King of Fighters, Super Mario Bros., Superman Returns, Amazing Spider-Man 1 et 2, et j'en oublie sûrement. Certains sont considérés comme mauvais, mais personnellement, je les trouve tout à fait sympathiques, bien qu'imparfaits, à savoir les deux 4 Fantastiques, Daredevil, Green Lantern, Batman et Robin, X-Men l'affrontement final, les deux Wolverine et les deux Ghost Rider. Et bien sûr, les bons, voire très bons films de la Marvel, associés aux Avengers, les autres X-Men, surtout des of the Future Past, les Spider-Man de Sam Raimi, surtout le 2. En ce qui concerne Batman, la parfaite incarnation ne semble pas exister pour l'instant. Pour les mangas, on peut dire que les Japonais sont aussi bons en animé qu'ils sont mauvais en live. À part Cutioni, aucun live n'a vraiment été réussi. Pas plus que quand c'est les Américains qui s'en chargent. Je ne ferai aucun commentaire sur un certain Dragon Ball Evolution, qui doit être le summum du ratage intégral. Comme quoi, je viens de faire un commentaire. En fait, rien à ajouter sur leur version de Ken le Survivant, ou leurs deux adaptations du héros Gaïver, en France le premier était appelé Mutronix. Le Nicky Larson, la faute est faite exprès, Nicky avec un I, de Jackie Chan est en fait une meilleure adaptation de Street Fighter 2 que de City Hunter, pour lequel on préféra le Mr. Mumble des Coréens, voire maintenant Nicky Larson français, mais je trouve à revoir aussi, hein, il n'est qu'à moitié bien. Superman qui se retrouve dans le monde d'Astérix. Impossible ? Eh bien si, dans le numéro 579 de février 86 d'Action Comics, le scénariste Jean-Marc L'Officier s'est permis cette extravagance avec Kate Giffen au dessin. On voit clairement un personnage représentant Obélix, mais l'on ne verra jamais son visage. On verra également Tintin chez les 4 Fantastiques. Nous pouvons aussi noter que quelques Français réaliseront des épisodes d'aventure de super-héros, par exemple JG, alias Joseph Guillien, réalisera quelques planches de Superman pour terminer une histoire dont l'éditeur ne souhaitait pas poursuivre l'édition. Uderzo lui-même travaillera sur Captain Marvel Junior. Jean-Yves Mitton réalisera 2 épisodes du Surfeur d'Argent, et le magazine Télé Junior créera ses propres bandes dessinées de Spider-Man et autres héros Marvel par Gérard Forton, du coup, vous y pensez, mais également Patricia et Yves Chantreau, qui publieront ainsi des aventures des 4 Fantastiques dans Spidey. Le geste que fait Spider-Man pour lancer sa toile, tout comme le geste de Doctor Strange, sont dérivés des mudras qu'on trouvera dans le bouddhisme. L'ennemi de Captain America, Crâne Rouge, s'inspire du masque de la mort rouge d'Edgar Allan Poe. Dans les premiers auteurs de Captain America, on retrouve Otto Binder, ancien agent de Robert E. Howard, créateur de Conan le Barbare, signalant par ailleurs que le Conan des romans est assez différent de l'image qu'on a de lui. Déjà aucune continuité dans les récits des demi sous la plume de Howard. Ce sera le fait d'un certain Leon Sprague de Camp qui modifiera les textes d'Howard jusqu'en 2001, où les écrits originaux ont refait surface dans les rayonnages. A fait le tour du monde. T'as dû voir ça. Hein. Cette image existe réellement. Elle figure dans le comics de World Finest 153 de 1965. Dans cette planche, on peut lire un dialogue fort entre le Chevalier Noir et son acolyte. « Ne me dis pas que j'ai tort, morveux. Prouver que Superman est coupable est la mission de ma vie. » Ce à quoi Robin répond « Oh Batman, ton chagrin s'est transformé en obsession de vengeance. Je t'en supplie, laisse tomber !» Le père de Bruce Wayne n'a pas été assassiné dans une ruelle de Gotham City, mais a trouvé la mort à Smallville, alors qu'il était venu pour travailler sur un remède contre la kryptonite. Bruce Wayne apprend que le coupable est une personne possédant une force surhumaine et pense directement à Clark Kent, qui œuvre à l'époque sous le nom de Superboy. Le jeune entrepreneur devient alors l'homme chauve-souris, connu de tous dans le seul but de se rapprocher de Superman, afin de lui faire payer le meurtre de son père. Batman s'allie à Robin, qui comprend vite que Batman est obsédé par sa vengeance, et lui fait la remarque, ce qui occasionne la célèbre gifle. Voilà.